Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Ouch maman, pral ge bagay. À partir de 17 mai, Cap Vini là, il y a trois gros experts internationaux dans le domaine qui lie à la sécurité qui fout le sol pays d'Haïti pour capable accompagner la police pour marrer tout bandit. Sûrement, ces nouvelles ça ou tapton parce que nous sentons nous bouquer ensemble avec et sécurité à kidnapping. Qui genre opération ça yo pral fait? Est-ce que c'est dans l'armée américaine? Eh bien, moun ça yo ap sorti. Est-ce que nèg ça yo c'est sniper? Oui, parce que bandi yo vraiment puissant pa bon ici. Comment yo pral fait travail là avec la police pour mettre tout bandi en bas code? On pral expliquer. La police nationale a fait toute manœuvre dans moment pour mettre tout bandi en bas code pour population capable de fonctionner en paix en toute sécurité. Eh bien, la police dans la ville Gonaïve, dans tête collée avec chef paquet juridiction, M. Sera Garceius, rive mette la patte sous deux jeunes garçons. D'après déclaration commissaire, monsieur Sayo se déprésimé kidnappé. Qui est-ce qui a été kidnappé? Qui bon ça passé? Combien de corps yo kon mande fami moun yo le ou fin kidnappé yo? M'pral explique yo. Qui genre opération ça te déroulé et dans qui circonstance la police Mario? La police continue bataille. Dans une opération, garçon pas campé, la police mène dans la zone métropolitaine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police lave l'air. 25 présumés kidnappés en bas code. M'pral expliquer comment l'opération ça a déroulé. Qui technique la police te employé pour Mario? Combien moun nèg sa yo kidnappé déjà? Et dans qui zone ça passé? Rete là. République Dominicaine continue à souke pays d'Haïti. Dans le jour qu'a vini yo là, yo annoncé et bien yo pral pimpe tourné plus passé 200 haïtiens qui a vivent en République Dominicaine illégal. Et bien yo arrêté yo dans divers sections tant kou El Punbio, Ventana ak divers lot encore. Quant à pour président Luis Abinadel, li frustré, li fâché et magistrat Santiago Abel Martinez, lui-même li qualifié sa Haïti fait comme une provocation. Eh bien, yon décidé canaliser de l'eau dans rivière Massacre sans consentement République Dominicaine. Est-ce que gen yon raison pour République Dominicaine fâché nos états pareils? Est-ce que là yon qu'on a utilisé là yon qu'on demande Haïti approbation? M'pral l'expliquer. Zak kidnapping yo pas suspend fait nan pays d'Haïti. Yon dame ki habite nan zone kwa de bouke, et bien bandi debake la kaili, yo mare maril, yo mare gardien, yo mare tout pendant li même lap gade ki jan bandi yo prale avec yon petit garçon ki gen seulement 12 l'année. Et ravise yo exige, il faut que yo bay yon total de $300,000 américains pour petit sa kapab arrive jwenn libération. Jodi a même, dans une cérémonie qui t'a déroulé, cérémonie ça, c'est cérémonie d'installation du Conseil national assistance légale, CENAL. Conseil national d'assistance légale ça a là pour tendre tout prisonnier, moun qui fait 10-15 ans en prison, qui pas jamais moué, eh bien juge, dans cadre cérémonie ça, président pays Jovenel Moïse déclare les c'est pour yo libérer moun qui te participé dans coup d'état. Les pour yo libérer moun kap détu bien privé ak bien l'état toujours gen juge et bien tribunal yo toujours fonctionné. Mais les pour yo libérer malheureux ak malheureuse qui fin pige peine yo qui nan prison toujours ou tande juge toujours en grève. Nan cas ça et bien président prend gros décision pour que moun kap koubi nan prison depuis très très longtemps yo arrive joine libération sa ki fin pige peine yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rale ti chèz ba ou chita confortablement fouko zanmi enfo pa rentre la kayou m pral bon tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nou ye? Encore une autre fois m'ap dou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pau Fouko. Maintenant, nous avons une chance de présenter un petit compte ça qui c'était. Machine président a passé, Vakabo a couru d'elle. Merci avec chaque fanatique qui t'a commenté et réponse dans c'était poussière. Nouveau compte nous gagnons en partie cri crac, petit petit fait l'honneur président.
piti, fais l'honneur, président. Pas hésiter à quitter éléments de réponse pour là dans le commentaire là. Ça utile nous, en pile, ça encourager nous parce que nous aimons les fanatiques à commenter, les n'a parlé ensemble. Merci déjà pour commenter. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, j'en ai annoncé à partir de 17 mai cap vini là, trois gros experts internationaux dans le domaine qui lié à sécurité à descendre en Haïti pour accompagner la police pour mettre tout bandit en bas code. Face avec insécurité à nan pays a depuis un bon bout de temps, zak kidnapping nan région métropolitaine ak dissémination gang armé yo sous tout territoire national là. Et bien trois experts international sa yo a vinn aider institution la police là pour capable mettre fin nan rey tout bandi. Et puis pour faciliter référendum nan kap fait 27 juin kap vini là ak élection pendant fin d'année sa yo. Moun qui te fait annonce ça, c'est Mathias Pierre qui c'est ministre délégué, bon côté premier ministre là, qui gè pour mission, élection et entrer en relation avec toute partie politique. Monsieur Pierre Mathias déclaré pour assurer sécurité référendum et élection, trois experts internationaux ap vini en Haïti, des experts. Non, ça qui est pour avoir avec crime, ak youn li même c'est dans renseignement, yo ap accompagné la police là. Dans toute opération et aider au joindre bon genre résultat. Rappelez-nous 16 mars 2021 là, 5 policiers, 4 policiers t'est mouri en dedans village de Di et youn disparaît. Échec yon opération qui t'est passé. Eh bien, président t'est gagnon entretien avant ensemble avec secrétaire ONU Antonio Guterres, li t'est sollicité l'appui technique et logistique pour PNH là pour capable combattre tout bandit, n'a pas continué à informer. La police n'a tête collée à commissaire juridiction Gonaïve, là, M. Seraga Seyus, arrivé déposer la patte, n'a collecté deux présumés kidnappés dans cité indépendance. Des individus, ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon relève Silus Kerson avec Guillaume Jimmy. Dans après-midi qui était 5 mai 2021, dans cité l'indépendance, là. Ça qui la cause la police mari des jeunes garçons ça yo, c'est parce que yo impliqué dans yon zak kidnapping dimanche qui te demeya dans yon zone qui rele Châtelien. Sou yon ti vi qui rele France, Seti George, pou kounya de individu sa yo fermé dans commissariat pour répondre question SDPJ. Map informé ou toujours, nan moment là, mesdames, mademoiselles et messieurs. La police a fait tout manœuvre pour marrer tout bandit parce que bagay la vin paraît ton honte. À chaque sa la police dit, tout moun se dan yop grien sou li. Eh bien, la police décide pour marrer tout bandit kap komet mauvais ak nan peyi ya. Eh bien, nan yon opération, la police mene, yon arrive mette en bakod 25 présumés kidnappés nan commune Kafou. C'est parti bagay piti. Donc nan moment là tout moun a dit ça k'a passé la police comme ça. Yo a mandé population pour yo ba yo information et non seulement ça tout nous capable présence dans la rien mandé mais ça k'a passé monsieur yo est-ce que yo joine on l'autre plan pour yo amarrer bandi parce que situation compliquée kidnapping c'est ça seulement qui fait chanson dans pays. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, nan soirée qui était 6 mai a, c'est sa mini justice là wok fè lèvin sans fait konnen nan yon bref publication sou Twitter, eh bien, 25 kidnappés, cambriolés, la police mettait tout dans dépôt. Opération ça te fait dans yon quartier qui rele Chavez, dans commune Kafou. Ministre tout profite, fait appel avec population pour yon continuer collaborer avec PNH. Selon dernier rapport, eh bien, Centre Analyse Recherche Droit Moun, qui c'est CARDH, dans le pays d'Haïti, seulement pour mois avril là, kidnapping a augmenté à 300% et 19% dans cas ça yo répété dans commune Kafou. C'est parti bagay ki piti. Donc nous capable comprendre qui jan dossier kidnapping dans lui-même l'a valé terrain en moment. Ache, ma mrevo Haïti mesdames mademoiselles et messieurs. Haïti mrevé a son Haïti nous tout monde respecté monde. Nous gon sécurité, nous yon ap veye sou l'autre. Côté bandier nous pas fait cache-cache. Si bandi arrêté dans bloc ça nous annoncer la police ça et puis la police même débarquer vienne faire intervention, faut que la police tout pas corrompi, faut que gouvernement pas corrompi, faut que nous tout ka vive à l'aise pour nous manger, pour nous capable fonctionner, pour nous mettre tête nous ensemble pour nous avancer ensemble avec pays ya. Ça c'est Haïti que me réveille. Pour nous connaître tout bon vrai qui ça démocratie, qui ça qui dictature.
Ça est important pour nous connaître. Bravo Haïti pour tout le monde, pour tout le monde qui a accès ensemble avec l'école. Pour nous, pour dans l'année qui vient, nous pas venir puis sortir, mais au contraire, pour nous entrer dans sacré technologie, pour nous plus avancer, pour nous développer. Bravo yon Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Pour les politiciens, nous yon pas suspendu, ti jeune yon campé des barricades, nous, c'est li qui vient nous. Pendant que yon même yon négocié tout côté pour yon ramasser l'argent, vous et petit yon à l'étudier à l'étranger. Après ça, dans 5-10 ans, c'est petit yon encore qui vient là, qui vient faire politique sale encore. Parce que le petit cochon tient de sa race. Nous connaissons le proverbe créole ça. Petit cochon pas jamais fait sanké. Un bon créole. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous besoin mettre tête nous sous épaule. Bon, m'expliquer nos bagailles qui passent aujourd'hui avant que m'entrer dans le dossier République Dominicaine. M'de une chance rencontrer avec un ami, un marchand, donc, m'a dit un ami. Et puis, marchand ça, pendant que l'abvan moi, et puis il dit m'con ça. Eh, bagayo difficile, dollar américain monté. Est-ce que m'pata fait nouvelle matin, puisque, gon, kompa yon moun a l'acheté là, d'ailleurs, fait le payer green dollar 107 goud. Tandis que BRH mette lui-même 86 goud combien? Kounyal dim, tout ça qui la cause, ça arrive dans le moment, et moun qui fait ça, le Jovenel Moïse. M'di frem, comprenne bien ça m'bral dou là. M'explique elle, m'di le kon ça. Comment t'es qu'à comprendre pour nous tout à l'école, nous qu'on lit, et puis nous quittons un seul grain de monde bloqué en pays dans nous. Ça veut dire, nous mettons, admettre que nous toutes sortent. Nous mettons, admettre que nous toutes ces têtes dans le sac. Pour un seul grain de Jovenel, t'as levé un matin bloqué pays. Il bloqué pays dans nous. Ça c'est un. Est-ce que c'est Jovenel de dans pays qui est responsable A à Z? Non. Le président au pays, pas de problème. Nous dis, comment t'es qu'à comprendre pour que l'État prenne décision? Lidi la mette deux gouttes sous gaz là. Parce que gaz là monte dans la communauté internationale là. Nous tout la mouè nous dit nous pas qu'à manger, nous pas qu'à ceci, l'État pral monte gaz. Tandis que, le yon fait complot pour que gen ratman gaz dans le pays ya, nous dit, son fierté pour nous dit, ouch pas gen gaz non, 1000 gouttes m'achete yon galon. Ça veut dire, nous plus quoi dans la corruption que l'État dit la prend décision. Comprenez bien, oui. Nous, pas d'accord, l'État mette le 2 goud là, mais le pagayel nous préfère acheter galon 1000 goud. Mette 2 goud avec 1000 goud. Qui sont pensé, non de ça, qui sont apprend ou même. Mais nous accepter avec contrebande dans pito. Comment te ka comprendre pour de caoutchouc à bouler devant? C'est ça m'a expliqué, Zamien. Pour le capable comprendre que pays d'Haïti, c'est pour problème, président, mais c'est problème nous. Tout c'est nous créer la cause, pays a corrompu dans l'État ça. Dis, comment te capable comprendre pour que. Gen de caoutchouc à bouler devant, yo annonce, pays pral lock, pays pral bloqué. Ti machan ki gen boutique bon la kaye la, ti mami dir il la tap vann 10 goud. Immédiatement le temps de caoutchouc à bouler devant, ou même qui vin acheter nan men lan le dou, dir y a monte. Ti mami t'la geta vann 17 goud. Ave dil geta passe 7 goud sou li. Demain matin si pays a bloqué tout bon vrai, la dou 20 goud li vann. Ça veut dire geta vin double prix. Là, c'est l'État qui la cause manger à monter ou bien c'est nous qui fait. Jusqu'à présent, pour que j'aime des problèmes, dit comprendre bien, frère. M'dit, pour qui ça? Les Haïtiens allaient dans mes milates, ils l'achetaient. Ils achetaient, par exemple, trois cornflakes, par exemple, pour 50 dollars. Mais ils ont tellement joué en quantité. Les arrivés sous marché, combien ils vendent green cornflakes, ça? Ils vendent green à 40 dollars. Ils achetaient le 3 pour 50, oui. Ils vendent green à 40 dollars. Si nous faisons 3 fois 4, 12, ça fait 120 dollars. Ou combien quoi vous achetez, ou achetez, eh bien, 50 dollars. Ça veut dire presque deux fois la valeur sous maman l'argent. Laissez comme ça ou appeler des fels. Est-ce que c'est 1000 la qui monte? Non, c'est pas lui qui monte. L'elvin apprend, c'est comme ça ou elle vend ni sous marché, ou elle vend ni avec dernier consommateur, avec consommateur final là. Et puis, lui-même, c'est comme ça la baoule, eh bien, y aurait les toutes à l'air, ou dit, font fermer de tel bagay. Dis pas gain. Après 15 jours, eh bien, ça ou fait, y'a vend ni 70 dollars. Qu'on y a là, ou même s'en fait, ou gal monte le pichet toujours. Dans le cas ça, aidez-moi comprendre, est-ce que c'est l'État seulement qui fait corruption, ou bien c'est nous toutes qui acceptons l'anticorruption? Pour qui ça, eh bien, l'État lui-même lui fixe, lui dit, ton dollar doit être tant. Comprenez bien, oui, dollar doit être tant. Eh bien, qui ça peut aider l'État pour faire que toute loi soit respectée, y a les populations? L'on débarque en côté, l'on débarque en maquette, l'on débarque dans une grosse maison, et puis ouais, on doit tout à 107 goud, c'est normal pour aller la police ou dire, même si vous avez acheté, acheter, vous dites, tout à 107 goud, tandis que BRH dit, mais vous acceptez prendre, ou dit, c'est l'État qui prend responsabilité.
L'État lui-même décide de prendre responsabilité parce que pour le faire respecter, l'obliger à arrêter, ou mettre en prison, faire payer amende ou à dire l'État, c'est dictateur l'a fait, eh bien c'est injustice l'a fait. Donc, est-ce que là nous capables de comprendre, c'est nous tous qui habitués ensemble avec la corruption nous? Et ceci, mesdames, mademoiselles et messieurs, son bagay nous lever avec, son bagay nous grandit avec, moun kap fait livre pour nous voir, l'école ba nous pour nous lire, yo kon ki mission yo gen des livres à éduquer nous. Parce que comment te ka comprendre depuis l'école, gon paquet histoire qu'on a expliqué nous, Bouki ak Timalis. Yo toujours fait nous kwe, Bouki li même, se nek ki pi sot. Timalis toujours intelligent. Pourtant, pi gros voler se Malis, Bouki sont innocents, Bouki toujours honnête. Yo toujours fait nous passer pour Timalis, ke Bouki. Ça veut dire, c'est depuis l'école, ils apprennent nous coquins. Comment t'es qu'à comprendre, dans tout grand pays, ils utilisent les centimes, ils respectent les centimes. Or, dans la constitution pays, il est écrit clair que monnaie nationale, c'est goud qui divisé en centimes. Est-ce qu'il y a un centime qui existe dans le pays toujours? Chaque jour, on perd un paquet de centimes, sous prétexte centime n'a pas rien, goud pas rien. Et puis, dans 5-10 ans, autant de l'autre, là, millionnaire sous d'eau. Donc, nous sommes capables de comprendre que la corruption, c'est nous toutes. La justice pas qu'a bon résultat, c'est nous qui fait la justice. C'est petit ou, c'est petit l'autre là, c'est lui qui juge, c'est lui même qu'a bay justice. Si depuis la caille, il pas t'apprendre bay ça qui doit gagner justice. Justice, ça qui en tort doit bay tort, eh bien pas penser. C'est l'elle finirie, venant dans tribunal là, il prend l'apprendre faire ça. C'est depuis dans sans lié pour l'apprendre faire corruption, pour le prendre cob en bas table, pour libérer ça, ça le pas doit libérer. Parce que chaque juge qui vini, qui prête serment, qui a jugé moun, eh bien, li te gon famille qu'elle délevé, c'est pour l'oreille qui kalil. Donc, en ce sens, c'est depuis la caille pour gen gens de formation sa yo, pour gen éducation sa yo. Donc, nous besoin de travail qui vous fait dans le foyer yo, dans l'école, dans l'église, dans la société a pour nous capable de construire un pays tout bon vrai. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, nous continuer à informer yo. Biwa Immigration ak Emigration République Dominicaine annonce yon pral voye tourne en Haïti 200 Haïtiens qui a viv l'autre bois illégal moun sa yo yon ramasse yon dans diverses sections tankou El Rubio, Inoma, aka comprendre gen pa konn l'espagnol, Guayaca, La Ventana ak divers lot encore. Autorité dominicaine yo te saisi tout yon bus ak yon voiti ak 17 moto. Yon arrête yon et yon joun yon nan divers lot lokalite. Tankou Yarabakoa ensemble avec Kamela ak lot zon ankon. Toujours en République Dominicaine, magistrat Santiago wa Abel Martinez qualifié sa Haïti fia comme yon signe de provocation cause yon choisi canaliser de l'eau rivière massacre sans consentement République Dominicaine. Martinez considère position sa adoptée par régime de facto Jovenel la doit répondre ak en pile fermeté ak défense souveraineté nationale gouvernement Luis Abinader la. Selon lui-même, président Luis très timide ak yon menace nan ati sa li doit tape Jovenel, bien tape. Pendant la fè leçon avec actuel magistrat Port-au-Prince, li indique Haïti vraiment ap détrui forêt yo, yo ap affecté végétation yo, et yo pollué rivière yo tout. Et yo remarqué, eh bien, de l'eau, comment c'est pas gen de l'eau dans zone pa yo, ça qui passe, eh bien, de pou e pa gen de l'eau, gen gros problème dans le pays. Donc, dans ce cas, messieurs, dames, République Dominicaine, yo commencé vraiment nerver à ça qui a fait en Haïti, comme nous connaissons le président lui-même, a construit yon canal d'irrigation et sous. Exactement, bon pont, et sous rivière massacre, là, nous connaissons rivière qui sépare entre Haïti et République Dominicaine. Depuis bien longtemps, c'était République Dominicaine qui t'a utilisé. Le coup, il y a ça qui passe République Dominicaine, là. Il pas de passer Haïti, bonjour, t'as pris le petit bagaille là-dedans. Non, ou pas qu'à prendre tout pourquoi. D'être quoi, entrer sous tes Haïtiens, ou pas jamais douin, mais on titre le pour qu'on ait un estomac et qu'on soit en dévé, ou même m'a pour président dans tapé Jovenel. Bah, là, pas si facile, non, papa. De toute façon, nous espérons que y ait une entente entre deux pays, pour que, pas gagner, bagay ki pi grave qui vient passer entre deux pays sa yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, jodi a même président te participé dans la cérémonie d'installation Conseil national assistance légale. Yon Conseil national qui pral gen chance tande, donc yon paquet moun yon mette nan prison depuis bien longtemps. Songe gon élément, yon mette nan prison, mkwe ane a fait 12 ans depuis nan prison.
pour qui ça a été mettre dans prison, te volé un feuilleton pour dal et couvrir un petit côté dans cali qui t'est coulé là, il t'a tombé. Pour yon fait tant, lui yon mette yon prison et puis yon t'oublie. Donc, je ne j'en dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, go paquet moun ki fin piouje pen yo. Ge moun se de régime banan yon te vole. Gon nek mèm konem toujours dit le bon cathédrale yon mette yon prison le fait 15 ans pour 3 CD. Tandis que yon équipe gros vole dans la ria, kap promene, kap manje l'argent, pi a kap boule, kap krasé. Et puis yon la, yon bien vivant, yon bien libre, yon à l'aise, yon fonctionne dans le pays. Donc, discours président, eh bien, li déclare, le ou tende, pou jijo tande ti malere ak malerez ki fin bije pen yo, tribunal toujours gen grève, yo toujours en grève, tout juge toujours pas disponible. Le pou ke yo plaide kont moun kap fè tentative coup d'état, moun kap deti bien privé ak bien l'état, eh bien yo toujours disponible, tribunal toujours fonctionner pour libérer moun sa yo. Donc nan ka sa président prend en charge moun ki nan prison depuis très très longtemps ki pa jamais passé devant jijo, li rele en mwen chalbare de jijo, tant pri souple, fon jan pou yo capable débarrasser prison parce que tellement gen moun nan prison ou pa ka prend encore. Bon m'a mandé yo pou se prend 27 la celle hier. Donc kote yo foure tout parce que est-ce que nous capable de construire prison tandis que gon paquet moun ki nan prison ki ta supposé libéré. Donc en ce sens moi espérer que la justice lui-même li a fait travail li moun pou le mettre dehors la mettre dehors et moun pou le mettre dans dépôt la mettre dans dépôt. Mesdames mademoiselles et messieurs dans circonstance ça moi invité autant de déclaration président Jovenel Moïse n'a tourné talé comme ça. Tribunal en grève. Mais depuis monter président c'est sorti en grève tombé en grève. Tribunal en grève pour tout malheureux, pour tout petit peuple. Mais depuis, c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminels qui ont fait sans peuple à couler, qui ont bloqué le pays, qui ont empêché les gens d'aller à l'école, qui ont distribué des armes et des munitions à des bandits, qui ont crasé les machins, qui ont boulé les camionnettes tap-tap, qui ont boulé les camions malheureux dans la rue, qui ont boulé les machines de l'État, qui ont boulé les institutions publiques, qui ont boulé le tribunal et le commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple, mandez-nous vers genoux. Ouvrez genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous décidons d'installer le conseil d'administration Sénat là. Moi, songe, l'aime te réunir gros autobré dans l'État pour salutation dans le finissement année 2020. Moi, te dis une phrase que moi, je vais répéter encore aujourd'hui. Moi, te souhaite justice la tourner tout bon vrai, femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir qui s'en passe pour qui. Dans sa vie, mon pauvre, t'as coup mon riche. Moun po jaune tant que moun po noir, moun en haut tant que moun en bas, moun la ville tant que moun en dehors. Gapil moun ki kwè se yo ki met peyi a. Et moun sa yo ki anbe justice peyi a parfois en bas zong yo, yo ki anbe la otage. Mais m'ap di yo tout, yo même, yo mérite justice. Même ja moun ki yo bay tout nou pote yo, moun ki soti loin yo, les oubliés de la République, gros otey yo, tête kana yo, moun ki pa konn li yo, yo gen dwa tout pou yo jwenn justice. Même jan nou wè nan zafè identification, gen plus passé 3 millions de moun sa yo qui pat gen baptiste. Décision prend pour que yo même ces oubliés de la République yo gen acte de naissance. Même jan moun sa yo tout faut nous pas oublier ou gen droit à la justice. Les a coupé en prison faut nous pas oublier nous même petit yo. Nous-mêmes, qui avons fait sacrifice, camion chaviré avec nous, nous mourir dans le voyage pour mettre nous l'école, pour éduquer nous. Jodien, nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs. Jodien, nous membres du conseil d'administration Sénat. Mais qui ça n'a pas dit à monde ça?
Et c'est peut-être ça, décision, gros décision ça que je prends aujourd'hui. Je prends pour que les gens sachent. Il y a une justice, même avec gros autobus qui ont l'argent, qui sont riches, qui comprennent. Il y a fait ça ou là que la justice paye. Et aujourd'hui, qui ça peuple a constaté? C'est un coup de justice qui n'a pas existé pour malheureux. Ni pour les gens de bien qui vont en corruption. D'ailleurs, une série de cabinets d'avocats, $100 américains ont demandé. Comme pour défendre les gens. Et quand c'est tout pays, nous tous connaissons, c'est good rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous espérons qu'il y a un pile changement qui a fait, et non seulement ça, tout, pour la police débouiller le coup de Jean-Jacques pour mettre sécurité dans le pays. N'a fait place à Voix d'Amérique pour cette information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizère depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble, dans le cadre du programme ça en langue créole haïtienne. Rendez-vous info. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté ministre Justice et Sécurité publique, là, M. Rockefeller Vincent, annoncé sur réseau social Twitter que la police nationale, là, ou bien unité de la police nationale, là, menait une opération hier soir dans commune Kafou dans une zone que les Chavez côté yo arrêté environ 25 moun, 25 prétendus kidnappeurs et cambrioleurs. C'est yon note que ministre Justice et Sécurité publique là fait sortir. Pendant ce temps toujours la question et sécurité, et ben Haïti attend des experts internationaux cap sorti dans l'ONU cap vinn aider pour faciliter référendum ak élection. Donc il y a 3 experts qui ont venu. C'est Yon qui spécialiste dans renseignement et 2 dans crime organisé. C'est ministre Mathias Pierre qui c'est ministre qui chargé question élection ak rapport ak gouvernement et parti politique yo qui confirmé nouvelle là. Pendant ce temps débat contradictoire a fait dans pays sur plusieurs dossiers tant qu'au référendum, élection, dialogue et surtout commission organisation état américain cap vini en Haïti pour yo même pour faciliter dialogue entre protagonistes, ça veut dire acteurs qui impliqués dans crise là, notamment opposition, société civile avec pouvoir en place là. Mais nous tendez des réactions dépamment sous question ça. Donc un dossier que n'a su pour pendant ce temps crise là dans pays d'Haïti, les mêmes li apprend l'autre dimension chaque jour. Et pendant ce temps, économie en tout, li même est un coup spécialiste qu'on dit, li tributaire, li dépend en pile de ça qui a passé au niveau politique. C'est ça que aujourd'hui a nous gagnons comme invité, tant que chaque jour nous gon gros invité. Aujourd'hui a nous gon l'autre gros invité encore, c'est qui c'est économie, c'est professeur Edzer Emile. Et Edzer Emile, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sous la Voix de l'Amérique. Merci, Jacques-Claude Bélisère. Ma pour saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, La Voix de l'Amérique. Et son plaisir pour que vous m'avez pour après-midi. Edia Emile, et tant que moi, je dis là, et c'est ça que je suis dans des savants, ou même Kessner Farrell, Fritz Jean, Beaubœuf, c'est ça nous dit que l'économie est tributaire de la politique. Ça, gros mot, ça veut dire, qui est-ce que nous sommes capables de comprendre par rapport à la situation dans le pays d'Haïti? Très bien, Jacqueline. Ça veut dire que l'économie n'est pas capable de marcher si que au niveau politique, pas gagner de meilleures conditions. Pas aucun côté où qu'a gagné un business qui a marché bien, économie a marché bien, mais que politiquement on a une situation d'instabilité et d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui. Parce que leur gagne une politique qui est instable et qui a des problèmes, question sécurité, kidnapping, problème gouvernement, élection, tout problème ça a eu. Li créer incertitude. Et incertitude, c'est ennemi numéro un de l'activité économique. Parce que ni moun kap vann, ni moun kap acheter, ni moun ki vle investi, tout moun ap suiv, pa gen moun ki vle avancer, parce que pa konn ki jan demain a pye. Et c'est sa situation aujourd'hui. Donc personne pa konn sa ka rive mois prochain.
personne ne sait quand ça va arriver dans une semaine. Donc, niveau d'incertitude, ça, justement, li rend ni difficile pour que ou planifier, li rend difficile pour capable anticiper. Et dans ce sens, ça, activité économique, là, souffre de ça, li asphyxié. Et c'est ça nous gagne aujourd'hui là, que ce soit au niveau de crédit, que ce soit au niveau d'investissement, que ce soit au niveau entreprise, consommation, population, pouvoir d'achat, la vie chère. Donc, tout jour viril, son situation qui est extrêmement grave que nous avons aujourd'hui là. Et ça qui fait un peu mal, Jacqueline, c'est parce que tout focus là, mettez son bon débat, tant qu'au référendum, vous oubliez que l'économie a mouru, vous oubliez que grand pile monde qui a un business qui a fermé, vous oubliez que bon professionnel qui a pris Saint-Domingue, vous oubliez que la vie chère a tout petit pour nous, mais vous oubliez tout, Jacqueline, il y a 4,4 millions de monde qui en situation humanitaire dans le pays. C'est deux fois plus que nous avons gagné après le cyclone Matthew. Mais Edia-Emile, pendant qu'on a parlé de toute cause, ça, mais moi, dans pile cob, il y a parlé de pour élection, pour référendum, dans pile cob que le gouvernement a mis dehors. Et là, nous parlons de incertitude, par exemple. Bon, c'est sûr que c'est spécialiste qui veulent, que si malheureux à pas. Well, qui genre, par exemple, si on monde débarque dans le pays, est-ce qu'on est capable ou parler d'une économie qui est asphyxiée, est-ce que j'en ai capable de matérialiser pour nous? Ça veut dire que yon moun qui descend en Haïti, qui ça le pral qui pour dire que l'économie ça pas marcher? Bon, yon un premier signe, Jacques, c'est que grand pile entreprise qui est obligé de fermer. Il y a des entreprises qui pas fermer, mais qui pas gagne vente que qu'on habitué gagner. Grand pile moun qui perd du travail par rapport à contexte. Un bon exemple, secteur touristique. Surtout so, tout moun qui travaille dans le secteur touristique, je dis à la, il n'y a pas rien fait parce que les touristes ne sont pas entrés dans le pays et ne pas gagner la vie de nuit, j'aurais même dit là. Donc, quelque part, où vient une situation extrêmement difficile, transport entre ville et ville, il y a des difficultés. Parle. Donc, écoute, tout, encore une fois, question, hein, on peut être clairement parce qu'on prend compte que déplacement qu'a fait, circulation de biens et de personnes n'est pas aussi fluide qu'on a habitué. Ou a clairement ouais que depuis long le la rue a blanche. Donc ou pas même besoin mon explique au lit depuis dans la rue a ou a prendre compte que gon certain le que des côtés dépouillés même motocyclette ou pas joindre. Donc ça prouve clairement que bon bah qui pas marcher et c'est dommage que focus là pas mettre sous question économie, il pas mettre sous misère, il pas mettre sous la vie chère, il pas mettre sous entreprise qui pas capable vendre, il pas mettre sous pouvoir d'achat mon qui fini mais aussi dollar tout qui fin manger tout épargne avec tout ça mon a recevoir comme transfert. Donc moi crois que je dis à là l'important que j'ont invité dans là pour que nous parler sur question économie, sur question poche mounio et pour moi il est beaucoup plus important que ça gouvernement lui-même gagne comme priorité qui en département de sa population gagne comme priorité. Et dire aussi anticiper parce que m'ta parler une question sur question dollar et gagne un peut-être qu'un mystère qui gagne autour de et baisse ou bien hausse dollar qu'on y a nous est tendance là qu'on y a c'est à la baisse pour good et national là et journée jodi a qui genre good là et qui en santé good là journée jodi a bon il y a deux menaces là Jacques. Premier bah là c'est que gon marché parallèle avec prix dollar yé dans banque que lié dans la rue ça les marchés informels et car là tellement grand donc un bon monde qui bénéficie de ça pour faire commerce avec dollar. Il y a des gens qui achètent dans la banque, qui le revendent sur le marché informel. Ou encore des gens qui ont accès à dollar dans le BRH à travers facilité que l'IBAE pour importateur, pour banque, pour ensemble de l'autre gros business. Alors que de yon, dollar vend sur le marché informel à n'importe 20 gouttes de différence. Donc, quelque part, les vins créent une situation de panique. Mais deuxièmement, dollar pas suffisant. Donc, les gens qui cherchent, ils ne pas joindre. Maintenant, mettez sous ça. Troisième catégorie, c'est les gens qui ont reçu un transfert, que eux-mêmes ont reçu un montant en goud depuis octobre 2020. Jean l'État a demandé ça. Parallèlement, les gens qui ont acheté dans le magasin, ils sont obligés de payer un produit côté que taux dollar plus haut que taux de baril. Je vais vous un exemple bien simple, Jacqueline. On dit que vous avez 100 dollars pour les gens dans le transfert. Donc, on dit que tout c'est 80 goud liés dans la maison de transfert. Donc, il y a 8000 goud pour le mettre en poche. Mais là, il arrive dans ma maison, côté à vendre appareil, il a besoin d'acheter un appareil qui vend 100 dollars. Donc, il dit que si il paye 100 dollars, il paye en goud à un taux de 100 goud. Donc, là, ça, il vient 10 000 goud. Donc, on a obligé de joindre 2 000 goud en plus
de même l'argent que tu voyais pour l'IA pour qu'à payer même bien ça. Donc tout problème ça fait que mon gars pour se voir transfert dans le pays, qui c'est quand même en pile monde, c'est presque 40% de population qui dépend de transfert. Donc mon ça perdu chaque mois des milliards de gouttes dans l'argent que recevoir par rapport à l'argent taux de change dans l'IA. Et deuxièmement, monde qui besoin de là pour de l'autre besoin, pour de l'autre bagaille que besoin fait, yo vinn pénaliser parce que dans banque côté toi puis bas banque là toujours dit on va gagner même l'orgue carnet dollars dans banque là des fois qu'on pas avoir bon dollars pour venir chercher. Donc situation ça fait que population pénalisée et moun yo même qui gagne accès à dollars vinn yo même fait marcher maintenant chinois avec dollars et bénéficier de lui. Mais faut nous dire tout problème ça Jacqueline, fondamentalement nos bon économie qui pas marcher. Nous gagnons une exportation qui n'est pas suffisante, pas de touristes qui sont dans le pays, pas d'investissement étranger dans le pays. C'est seul comme diaspora qui a un équilibre dollar, il n'est pas suffisant par rapport à toute demande qui gagne l'économie. Mais surtout que le monde qui a serré dollar, pourtant le pichet pour vendre, j'ai les balles à la machine, qui au même quelque part a créé un peu de distorsion dans l'économie et c'est la population qui toujours paye conséquences. Mais est-ce que c'est pas un constat d'échec pour pouvoir en place là et le fait que yon moun gen doit gagner toute et opportunité ça pour le capable jouer sous dollar pour le capable bah connait exploiter même moun qui puis vulnérable dans société là, est-ce que l'état pas de gon façon pour être capable régulariser question ça pour faire que eh ben moun qui puis faire bio pas yo même c'est yo cap subi conséquences même de l'État ou bien de moun kap dirige ou bien moun ki gen plus kob yo continue à faire beurre yo continue à faire dol yo continue à faire plus kob malgré situation grave dans pays. Bon Jacques, ça c'est caractéristique économie Haïti a même, ça veut dire que ou gen yon l'État qui pas gen capacité pour capable faire règles je veux le respecter. Donc l'or puissant l'or gen moyen l'or ensemble de bagay nan men l'État n'est pas capable de contrôler rien. Donc, son l'État qui a une force sous seulement un ennemi, c'est-à-dire, les gens qui volent cabrit, c'est les gens qui volent et bœuf, les gens qui volent deux trois bagages dans le marché public en dehors, c'est les gens que l'État est capable de contrôler. Donc, ou l'État qui puisse vraiment accuser les gens qui fait ça pas bon, qui puisse dénoncer les gens qui fait ça pas bon, mais qui n'a pas gagné ni courage, qui n'a pas gagné ni volonté pour capable établir les règles du jeu. Et les règles du jeu pas établies, qui fait que moun capable faire n'importe ça au vénéré économie, donc dans un sens qui bénéficie à une catégorie de moun et qui au détriment d'une catégorie de moun. L'État connaît très bien qui moun qui gagne pile dollar dans mel qui a utilisé pour faire marché noir. C'est pas malheureux qui a fait marché noir à dollar. C'est moun qui gagne gros dollar qui entre dans mel. Donc tout moun connaît qui est, tout moun connaît qui secteur. Donc quelque part, mais en même temps tout, l'État a pas mettre devoir le propre tout. Sous son l'État qui a fait déficit budgétaire, ça veut dire que dépenses sous pire que rentrée chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ou même tout ou créer conditions pour que dollar toujours là, pour que dollar toujours monte sous population. Donc toute question, hein, sous besoin justement un leadership qui est capable de gagner discipline, mais aussi qui gagne assez de légitimité et capacité et courage pour capable faire règles de respecter, là ça ou capable de gagner équilibre dans toute question ça. Mais tout ça lié avec question politique, instabilité, lié avec production pays qui pas jamais dans niveau que supposé y est, mais surtout y a l'État failli qui pas une capacité pour mettre l'ordre et pour faire que je te respecte. Et déjà Emil, gen moun qui profane qui t'a dit bon, journée jodi a, yo dit que c'est exécutif là seulement qui gagne la haute main, pas gagne parlement et donc ça veut dire que l'État c'est à si il t'a supposé gagne plus scope dans que ça puisque gon paquet moun qui pa gagne que yo pa paye et donc santé économique l'état ta depuis bon ça qui passé contrairement à ce dit parce que m'a regardé chiffre 5 premiers mois et année fiscale là comparé à 5 premiers mois année fiscale l'année dernière là déficit budgétaire là presque double donc était pratiquement 800 à 900 millions pour nous on a presque 1.5 à 1,6 milliard de dollars américains de déficit budgétaire sur seulement 5 mois. Donc, contrairement, malheureusement, et ceci est lié à plusieurs bagailles, d'un côté, et l'ordre économique qui n'a pas marché, qui a ralenti, kidnapping avec instabilité, prend pays en otage, donc vente au plus bas, activité au plus bas, donc l'État naturellement, bien moins l'argent qui a porté dans la caisse. C'est parce que l'argent de l'État qui est sorti,
c'est activité économique. C'est moun kap travay qui paye taxe, c'est entreprise qui vend qui paye taxe. Donc là, l'économie qui ralenti, ça fait 2 ans nous avons une croissance négative. Donc c'est normal pour pas assez l'argent. Mais parallèlement, ou bon l'État qui grand dépenseur, cap dépense une bonne série de bagailles, des fois pas même moyen impact, c'est ça nous les dépenses improductives qui dit la dépenser l'argent dans PNH pendant que l'insécurité a pigou chaque jour. Chiffre parle de augmentation de 300% de cas de kidnapping pendant que chaque opération police bon 100 millions de cap dépenser. Donc quelque part, ou pas même moins résultat dépense l'État pendant que recette au pipiti qui vient faire que gagner déficit budgétaire qu'a enregistré que son parlement pour mentionner à Jacqueline malgré parlement pas tout le monde là-dedans mais budget parlement toujours gros parce que quand même administration parlement toujours là avec des milliers de monde qui a travaillé là-dedans donc avec tout ensemble de dépenses qu'il a fait malheureusement nous pas bénéficié de grand chose de l'absence monde ça en termes de gains financiers dans budget là. Et c'est dommage. Donc, ça veut dire qu'au final, ou bon l'État qui supposait réformer, qui supposait assurer que l'alloué l'argent, côté l'argent plus nécessaire, comment on comprend 40 millions de dollars mobilisés pour question référendum, pendant que je dis à là, l'éclair, qu'on gagne en quantité de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. On parle de 4,4 millions de monde qui seulement avec rad souyo, qui paguent un et pour mettre dans la bouche chaque jour, pendant que mon apporté descend, dépenser l'argent. Fait consultation dans le référendum, même population, pas même embrasser cause là correctement. Et Jamil, bon fait une considération qui triste et qui profane tout. L'homme tend de tout cas de kidnapping ça au Cap Gagné et en général les parler de kidnapping et monsieur c'est dollars américains au mandé. Et est-ce que les hommes des dollars américains en général et moun yo kidnappé a yo gen moun yo dans diaspora? Et grand pile petit cop kidnapping qui sorti dans diaspora, ça veut dire qui entrer, est-ce que c'est pas un plus pour l'économie? Bon, par aucune façon, on ne peut pas associer question kidnapping avec bienfait, parce que son bagage qui néfaste, qui a détruit mon classe moyenne, qui a détruit mon qui a fait effort entrepreneur professionnel dans le pays. Des fois même, ce n'est pas principalement proche que vous prenez. Obligé cotiser parce que son monde qu'on connaît qui n'a même travail avec vous. Donc son bagage cap détruit pays, cap détruit business pour des monde pas circuler. Mais parallèlement, monde ça cap fait l'argent dans kidnapping là yo. En pile fois c'est des réseaux de monde qui pourrait acheter caisse Saint-Domingue avec une valise l'argent cash. Son bande monde qui pourrait faire blanchiment d'argent dans bonne autre activité qui pas nécessairement profitable à l'économie. Parce que tout l'argent ou encore majorité l'argent qui gagne dans mauvaises conditions dans kidnapping, dans corruption, dans drogue généralement alloué dans activité non productive de blanchiment d'argent qui pas créer emploi qui pas vraiment utile à l'économie réelle là mais qui surtout quelque part vient gonfler ensemble de moun yo même qui capable profiter peut-être chaud mais pas profiter à l'économie hein. Et encore plus j'aime ce dou là dans pile comme ça qui traverse ses frontières dans valise qu'elle acheter appartement Saint-Domingue 80 000 dollars 100 000 dollars et encore une fois au détriment du pays a pour toi prendre comme pays a gagné pour aller l'autre bois qui quand même alors que pays ça a eu même y a marché pas non pas marché ou pas on a qui que pour des mondes politiques ou encore des mondes qui gagnent l'argent cab associé avec banditisme pour faire l'argent facile au détriment de population côté jodi a presque 40% là-dedans pas qu'à manger donc c'est ça qui problème pays a. C'est pas référendum, c'est pas rien l'autre bagage encore, c'est 4 millions de monde qui pas ka manger, c'est 3 millions de monde qui pas gen baptiste, c'est 2 millions de monde qui pas aucun côté pour faire besoin yo, c'est sous galette qui aller, c'est dans sachet, c'est dans rager que aller, c'est misère, c'est la vie chère, c'est job qui a perdu, c'est des milliers de monde qui va à Saint-Domingue parce que pas ka vivre encore et c'est ça problème pays a, et il est important pour que nous virer focus conversation pour nous virer narratif là, mettre le sujet problème pays a. Et déjà pour nous finir, nous connaissons que vous êtes jeune économiste, ou attiré par les jeunes et vous rencontrez en pile avec les jeunes. Rapidement, dis-nous nos situations économiques comme ça, nos situations politiques comme ça, dans une crise qui a crasé le pays, qui sont les jeunes que vous avec vous? Rapidement, brièvement. Il est difficile, Jacqueline, pour les jeunes espoir lorsque vous connaissez la situation de la même si je dis ça, tout autant que les gens qui vivent, tout autant que les gens qui pensent, tout autant que les gens qui réfléchissent, gain espoir parce que changement que nous tout taime arrivé à il pas privé de par lui même c'est monde qui a fait et c'est pour ça moi même tout côté me passer pas encourager jeunes pour engager
m'a encourager jeunes pour participer, m'a encourager jeunes pour impliquer, mais surtout pour comprendre ça qu'a fait parce que changement libéral mandé pour que gagner un gros n'a dit mouvement qui fait émerger l'autre vision, qui fait émerger l'autre leadership, qui fait émerger n'a capable dit l'autre forme gouvernance qui a mettre monde au centre de l'agenda. Jodia, moun pa au centre de l'agenda. Mais malgré ça, nous pas découragés, nous restons avec espoir que nous capables de faire mieux, que un pile de bagages que quitter pour nous comme héritage, espoir tout que justement jeunesse ça a gagné le pour le clair, pour le comprendre, pour le conscient, pour le mobiliser jusqu'à ce qu'il y a accouché, il y a l'autre bagage qui a l'insensé, il y a l'autre bagage qui semble avec lui, mais surtout j'aime d'abord là qui capable mettre conditions vie moun, qui capable mettre emploi, qui capable de mettre d'arabadi développement au centre de l'agenda politique parce que jodi a ça qui agenda c'est riche pour tête moins riche pour famille passer pouvoir ba zanmi moins acheter caille dans pays étranger acheter caille pour des académiques mais pas aucun intérêt par rapport problème pays a sinon comment est capable comprendre qu'on fait 15 mois à qu'on kidnapping qui monter chaque jour personne pas jamais rivé réaliser faire opération de police pour arrêter aucun monde qui bandit. Donc ça montre clairement pas une volonté, pas une capacité et pas aucune intention pour être capable de diriger le pays ça dans le sens de la collectivité. Edia Emile, la voix de l'Amérique, merci. C'est un plaisir. Merci un peu. Donc c'était économiste et professeur Edia Emile qui aujourd'hui a tapé fait une approche pour aider nous comprendre réalité santé économique là dans le pays d'Haïti, n'a pas entré ici aux États-Unis. Et président Joe Biden d'accord lui-même bon côté parle pour supporter lever temporaire application patente sous droit propriété intellectuelle pour vaccin COVID-19. Jean-Aubert Philippe dit nous décision ça l'ouvrir route pour pays sous-développé fabriquer et propre vaccin yo. Et Jean-Aubert ou même cap suivre événement ça dis nous plus. Effectivement, c'est un compromis qui est censé plaire un peu monde qui déplaît l'autre monde. Ça veut dire que les compagnies qui ont fabriqué les vaccins, le compromis que le président Biden joint, que c'est une troisième voie, et bien lui-même est d'accord pour soulager les restrictions, pour camper sous règlement qui protège les droits, la propriété intellectuelle, surtout pour ça qui a un rapport avec le vaccin, mais tout qui plaît les pays sous-développés, ou même qui ont une possibilité pour y aller, pour fabriquer les vaccins. Pour la population. Par exemple, l'organisation de Médecins sans frontières, par exemple, c'est une entité qui a milité pour que le pays puisse toujours le moyen pour avoir accès avec le vaccin. Mais son dossier qui est vraiment choquant et qui vraiment fait parler de lui en pile, côté que je dis à la pays, par contre, ça peut faire pour être capable de faire plus le vaccin, parce que la distribution du vaccin n'est pas fait dire que le fait, pays pauvre, ça n'est pas accès avec le vaccin, alors que pays riche, il a capable de faire le vaccin. Administration Biden est d'accord pour supporter devant l'Organisation mondiale du commerce là une exemption temporaire sous restriction de la propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. C'est un pas important dans la lutte mondiale contre la pandémie qui est capable de bailler le gouvernement au pouvoir pour attaquer et rater avec inégalité vaccin. Représentant commerce américain Catherine Tai a annoncé position administration dans une déclaration publiée mercredi après-midi. Dans la déclaration, le responsable a dit que l'administration a avec toute force la protection des droits de propriété intellectuelle, mais dans les circonstances actuelles, il doit gagner une mesure exceptionnelle. Trade is like any other tool in our domestic or foreign policy. It is not an end in itself. It is a means. Le responsable a ajouté que les États-Unis supportent l'exemption temporaire pour le vaccin COVID-19 là, qui visait mettre fin à la pandémie. États-Unis a participé activement dans les négociations avec l'Organisation mondiale du commerce pour tourner une réalité. Le président Biden a mis en pile pression pour lever les restrictions sur la patente vaccin COVID-19 là, qui était une promesse qui était faite pendant la campagne électorale. Là. Mercredi 7 mai, militants ont manifesté dans Washington DC pour ajouter voix avec leaders mondiaux, parlementaires démocrates, organisations humanitaires et experts santé publique avec lauréat prix Nobel pour supporter proposition qui cap lever temporairement restriction sur patent de vaccin yo et cap permettre pays fabriquer vaccin générique là donc qui pas original sans aucun risque pour compagnie produit pharmaceutique
pas assigné au tribunal. Quelque temps avant annonçant porte-parole Maison Blanche-Lan, James Saki, déclaré pendant que le président Biden a supporté exemption temporaire dans la campagne électorale, là, dit quoi que ses représentants commerce américain Catherine Tai qui a lancé le processus de délibération politique interne administration. Inde avec Afrique du Sud a déposé proposition en novembre 2020 pour demander de lever quelques restrictions qui viennent pour elle avec aspect commerce, accord OMT sous droit propriété intellectuelle. Responsable souligne l'administration a pour objectif distribuer plus matériel par la communauté mondiale avec un prix raisonnable, avec exemption, accord pour licence ou bien toute autre forme transfert technologie. Une révision qui fait sous données pays a montré 1,2 milliard de doses vaccins distribuées sur la planète là, ça qui égale avec 16 doses pour chaque 100 habitants. Mais il y a un écart dans le niveau de distribution vaccinée parmi pays. Quelques pays vaccinés plus passer 50% de la population, pendant que il y a l'autre pays qui beaucoup vacciné pas même au monde. Cependant, le fait que le président Biden d'accord pour supporter exemption provisoire sur droit de propriété intellectuelle contre vaccin, pas veut dire compagnie pour produits pharmaceutiques qui ont commencé à mettre dehors recettes vaccin pour permettre pays sous-développés de faire propre vaccin par eux. L'Organisation mondiale du commerce là, c'est une organisation qui est basée sur consensus. Il n'est pas capable d'avancer tout autant l'Union européenne qui compte lever les restrictions avec tout l'autre acteur, pas d'accord. Une fois tout membre OMT d'accord, eh bien, prochaine étape, c'est pour pays appliquer des mesures au niveau national pour lever les risques légaux qui sont capables d'affecter la production pendant qu'il y a cherché fabricants alternatifs. Fondi, cofondateur compagnie logiciel Microsoft Bill Gates, pas d'accord avec exemption temporaire sous protection propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. Eh bien, j'entendais donc troisième voie que compromis à que l'administration joint avec l'Organisation mondiale du commerce là, eh bien, le Pral veut dire que si tout va marcher bien, eh bien, compagnie qui fabrique et vaccin est capable et vendre licence limitée en façon pour l'autre pays ça est capable de faire production et limiter tout, mais pas partager toute recette ou bien encore toute recette que vous connaissez concernant production vaccin. Merci Jean-Robert. Donc, ce dossier que Jean-Robert a suivi pour question vaccin ici aux États-Unis, surtout avec gros campagne que président Joe Biden a mené. Nous connaissons que d'ici 4 juillet, il a remis vacciné encore 100 millions de monde. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit jeudi, malgré la Russie retirer quelques forces li déployer sous frontière li partager avec l'Ukraine, mais toujours gain gros quantité soldats et équipement qui toujours était dans zone et que les États-Unis voulaient pour Moscou mettre fin dans action agressive la poser sans réfléchir. Pendant monsieur Blinken t'a parlé dans ville Kiev avec président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même il dit bon côté parle que et la Russie a une capacité pour poser action agressive. Si Zoka a choisi pour faire ça, dans un petit bout de temps seulement, et que l'admire attitude calme Ukraine adoptée en face provocation Moscou. Il précise dans fin mois passé, quelques gros responsables américains et l'Union européenne ont fait connaître que Moscou déployait environ 150 000 soldats russes sous frontière Ukraine et région Crimée. Chiffre ça a dépassé quantité de soldats gouvernement président Vladimir Poutine te mette dans la région ça depuis que la Russie te annexé presqu'île Crimée en 2014. Nous pratiquement arrivé dans fin programme nan, et c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et merci pour attention, merci pour fidélité. On a rappelé que dans le pays d'Haïti, le ministre de la Justice et Sécurité publique, là, en parlant de M. Rockefeller Vincent, il a annoncé que la police menait une opération hier soir dans la zone Kafou et qu'il a arrêté plus passé 20 personnes qui ont prétendu cambrioleur ou bien prétendu kidnapper. Et puis, et dans l'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, Haïti a besoin de 3 experts internationaux. C'est une demande que le président Jovenel Moïse a fait pour eux-mêmes, pour eux venir aider dans la question référendum avec élections. Donc, c'est 3
expert, yon nan deux nan crime organisé, yon qui gain spécialisation nan renseignement. Mes amis, c'est ton plaisir comme d'habitude pour te servir. Jean-Lionel Demarat était lui-même spécial producteur et puis gain Franklin et Zami Panou, sans oublier Jean-Aubert Philippe et puis Ronan Toussaint, Massiado Vilmé, Florence Lisney qui te permettent que chose ça aller dans l'air. Moi c'est Jacques Lambézer. Bonsoir et à demain. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous espérons qu'il y a un pile changement qui a fait et non seulement ça, tout pour la police débouiller le coup de Jean-Jacques pour mettre sécurité dans le pays. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller, je vais quitter le bras papa mon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger bah, la vie et la santé. Je vais croiser dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Je ramasse un paquet de moi. Cause, habitant pas misé la ville. Je vais aller. Mais m'a kito nan bra papa bonji parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.